Appeler Monsieur Yves Déhou, s'il vous plaît. Court préambule et votre question, Monsieur Déhou. Oui, bonsoir, Monsieur le Président et membres du Conseil. J'annonce le dépôt de deux documents, soit une photo et un plan cadastral. Et mon sujet est un stationnement municipal à l'arrondissement La Salle. Pour rejoindre votre principe, Mme Barbe, d'utilisateur-payeur dans le dossier des vignettes de stationnement à La Salle, comment pouvez-vous expliquer l'existence d'un aire de stationnement municipal à côté d'un restaurant La Salle Drive-In sur le boulevard La Salle, lot 2136-439, auquel on peut constater qu'il n'y a aucun panneau informant que c'est un stationnement municipal, donnant l'impression que c'est un terrain privé appartenant au restaurant? Et quel est le lien entre le restaurant, le terrain de stationnement et l'arrondissement La Salle? Le restaurant paye-t-il un loyer pour l'usage du parking? Voilà ma question. Donc, la question est posée. Conseillère Barbe. Merci, M. le Président. Alors, bien que ce soit une question, je dirais, de juridiction locale, ça va me faire plaisir de répondre au conseil municipal. Donc, pour répondre à la question de M. Daou, effectivement, nous avons un stationnement municipal qui jouxte le restaurant La Salle Drive-In, qui a été bâti il y a plus de 40 ans sur le boulevard La Salle. D'ailleurs, c'est le seul bâtiment commercial sur côté sud du boulevard La Salle. Et le terrain adjacent au restaurant, c'est un terrain municipal que nous avons asphalté il y a quelques années. Et que, donc, les citoyens qui veulent l'utiliser pour garer leur voiture puis partir de là faire du vélo ou du patin roue aligné peuvent très bien stationner leur voiture là et utiliser la voie cyclable pour faire leur sport. Mais c'est un stationnement municipal qui est sous la responsabilité de l'arrondissement La Salle. Et comme on en a un autre un peu plus loin vis-à-vis les rapides... sur le Saint-Laurent. Donc, c'est les descentes des rapides sur le Saint-Laurent qui est une entreprise privée et c'est aussi un stationnement municipal qu'on appelle un P vert. Alors, ce sont deux endroits à distance de marche, mais ce sont des endroits ponctuels le long du boulevard La Salle qui permettent aux citoyens, comme au Chevalier de Colomb aussi, à côté du bâtiment du Chevalier de Colomb, il y a un autre stationnement municipal qui est accessible à tous les Lassallois, plutôt les usagers de la piste cyclable où est-ce qu'ils peuvent garer leur voiture. Merci. Question accessoire, sans préambule. Oui, oui, mais le problème, Mme Barbe, vous l'annoncez comme étant un stationnement ouvert au public, mais il n'y a pas d'affiche et les gens n'oseront pas stationner là, craignant d'être remorqués, pensant que c'est un stationnement privé. Pourquoi des deniers publics? Excusez, comment faire? Comptez-vous faire installer des panneaux indicateurs comme étant un stationnement municipal dans un proche avenir, Mme Barbe? La question est posée. Alors, Monsieur le Président, avec plaisir qu'on va regarder le dossier, parce que lorsque nous avons fait les travaux sur ce terrain, il y avait une indication, une signalisation. Peut-être la signalisation est-elle tombée lors de l'entretien du terrain, du réasphaltage, lorsqu'on a fait le lignage du terrain aussi, ça peut être possible que le panneau de signalisation soit tombé. Alors, on va y voir rapidement, Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Déhou. Merci, M. le Président.